Salut tout le monde, c'est Kirito de Solatran France. On se retrouve aujourd'hui sur Mémoire des Frags, enfin pour vous faire une nouvelle vidéo. Il y avait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur Mémoire des Frags. Enfin. Donc après que j'ai fait une erreur, voilà, sur le premier portail Persona 5. Donc j'avais effacé malencontreusement la vidéo. Bon, j'avais quand même fait un screen avant de faire ma bêtise. Donc du coup, j'avais mis dans l'onglet communauté le résultat de cette multi-invocation. On a enfin un nouveau portail. En plus, celui-là, là, il y a aussi des gratuites sur celui-là, apparemment. Donc l'autre, pour avoir des gratuites, c'est fini. J'ai un poil dans la bouche. Et encore. Voilà. Et donc, excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, celui-là, j'avais eu le skull sur la première multi. Mais comme il n'y avait pas de rate-up, rien du tout, j'ai pas refait un step 2, etc. Par contre, celui-là, comme vous pouvez le voir, il y a des comment on appelle ça, des records cristal. Donc, avec les records cristal, je suppose qu'il va y avoir des rate-up. Donc, du coup, celui-là, on va pouvoir faire les 4, parce qu'il va sûrement avoir 4 rate-up. Voilà. Donc, du coup, ici, mais surtout dépend de ce qu'on va choper sur les multi, etc., savoir combien de records j'ai, etc. Donc ici, que font ces personnages? Donc déjà c'est un crossing skill, ils augmentent l'attaque de tous les membres. Et certaines, dans certaines conditions, c'est strong et il y a le all out, ouais, attaque, d'accord. Donc quand on sera à, généralement c'est quand c'est moins 10% d'attaque, un des personnages peut terminer le boss plus rapidement avec une animation qui s'appelle le all out attaque, voilà. Et en plus, ils sont en auto-pari quand on reste en garde. Voilà. Donc du coup, voyons voir un petit peu les stats. Voilà. Oh, le Kirito est déjà à 4700, donc on voit que c'est double sword. Donc il a bien un joker. Hein. Et 3200, presque 3200 en attaque. Alors, il peut combiner avec Asuna ou tous les caractères de Persona 5. Ensuite, on a Asuna, 4300 et 3700 d'attaque et critique. Ok, donc elle combine avec Kirito et les personnages de Persona 5. Ok. Alice, alors, Asuna était à la rapière non élémentale. Ça peut être intéressant pour moi, qui n'ai pas beaucoup de non élémentales. Personnage haut, j'en ai deux, donc pourquoi pas un troisième avec la Alice. Le Kirito, même s'il est à la duel, je le voudrais peut-être un peu moins, bon, même si les duels Blade sont toujours bien à apprendre, mais c'est le seul où j'ai déjà pas mal de crossing skill dark, voilà. Donc ça serait bien d'avoir un autre type qui pourrait être utile pour d'autres rankings en fait. Alors ici, 4400 et 3000 d'attaque, ça va encore. Et la Shinon qui est non élémentale aussi. Donc là, la double chance d'avoir un non élémental. Avec donc du coup 4800 d'attaque et presque 3000 de critique. Donc là, 2958. Ok. Bon, au niveau stats, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, voyons voir ce que font les personnages, etc. Donc par contre, j'ai pas, enfin celle-là, cette vidéo-là, vous l'aurez avant la vidéo de Alicization Rising Steel sur le portail Kirito et Asuna Hello, parce qu'en fait j'ai fait une erreur dessus, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, donc du coup il faut que je fasse un montage, et comme j'ai pas trop le temps de faire le montage en ce moment, vous l'aurez un petit peu plus tard. Donc, pour une fois, vous aurez un peu du MD avant du Rising Steel. Voilà. Du coup, ici, le Kirito, alors. Ici, Trump, Kart, Sword Dance, plus. Alors, tout seul, il fait... Oh, 16 combos tout seul, déjà, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite. Alors, ils disent qu'il est court. Et c'est la combinaison avec Asuna et finalement... Ah oui, bah oui, comme c'est ici des Persona 5, on peut aussi faire la... l'accord. Donc ça, ce combo pour Asuna aussi, avec le Ebony Person Plus. Ah,
Donc là, on est sur Ali Fox attaque plus 14 combos cette fois pour Alice. Ok, Alice est un peu moins en combo. Sinon, voilà. Et Queen Burst plus. combos, ok. Donc il n'y a que Kirito et Asuna qui sont sur le 16 combos. Alors par contre, si on fait un crossing skill, hein, à combien on va arriver? 37 combos, ça c'est pas mal. C'est pas mal, 37 combos. Alors, si on fait du Kirito à Asuna, je suppose que ça fait 38 du coup. Mais bon, on peut pas avec le... avec leur changement bizarre là, on peut pas. Bon là j'avais tapé un peu avant hein. Donc ouais, ok. Alors, on va faire un peu voilà, hein. À 35, en fait ça dépend de combien de faits de combo de base le personnage. Ok, bon bah voilà, je pense qu'on y est. Alors on va bien sûr déjà commencer par la single gratuite hein. Ah, voilà, donc c'est parti, single gratuite. Bon, toujours pas de chance comme d'habitude à la single gratuite. J'ai rien eu de toutes les singles sur l'autre portail Persona 5. Là, ça continue, hein. C'est de la merde. Alors, attendez, est-ce que je prends un screen maintenant pour le mettre sur Instagram. Donc ici, hop. Voilà. Et on remet la caméra. Voilà. Je ne suis pas trompé cette fois. C'est comme ça que je me suis trompé la dernière fois parce que je voulais prendre un screen et j'ai arrêté la vidéo. Enfin bref. Ok, donc rien sur la gratuite. Maintenant, voyons faire le premier step à 125. Et puis, s'il y a des rate-up, hein, parce que on n'est jamais sûr avec les collabs, mais bon, comme il y a les records que ça, normalement, on devrait avoir des rate-up. Mais bon. C'est jamais sûr vu que c'est un portail collab. Si je vois qu'il n'y en a pas, on refera peut-être un deuxième step sur le portail là ou sur le portail là. Je sais pas, on verra bien. Mais déjà voilà. Allez, on est parti pour ça la 125 déjà. Premier step. Allez Argo, on y va. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur M2. Si je pouvais drop, ce serait cool. Et ben non, voilà, me dit fuck. Ok, donc rien sur cette 125 MD. Enfin 125. Ouais, 125 MD là. Premier step. Ok, bon, vous passez, ça a rien de... hein, voilà. Et deux records, alors là, c'est pas terrible du tout. Alors, on est vraiment pas terrible du tout. Bon, et puis, bah, voilà. Donc, du coup, on va attendre. On va attendre de savoir s'il va y avoir autre... Enfin, des rate-up ou non. Et pour l'instant, on est mal barré. Bon, après, il y a 4 tirages, hein, donc pour avoir les 10 cristaux, normalement, ça devrait être plus facile. Mais si on démarre avec un 2, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir quelque chose. Mais bon, voilà, si on dit qu'on a 3, on a un 3 quelque part, 2 fois au moins, 2, 3, et après si on peut taper du 2 sur les trucs, parce qu'il y a encore 4 trucs, hein, donc ça devrait aller. Enfin, on ne sait pas s'il y a 4 trucs, hein, mais voilà. Mais en tout cas, il y aura une deuxième step s'il n'y a rien, dans tous les cas, je vous promets. J'avais économisé les MD juste pour ça. Voilà. Donc je vous laisse là du coup parce qu'il n'y a rien à dire de plus, qu'on n'a rien chopé. Voilà, c'était Kirito. Et je vous retrouve donc du coup dès que j'aurai le temps de faire la vidéo sur l'utilisation de Rising Steel. Enfin, je l'ai déjà faite, mais le temps de réparer ma bêtise, c'est-à-dire raccorder les deux morceaux de vidéo que j'ai enregistrés pour pouvoir faire une seule et unique vidéo. Ce sera là-dessus. Sinon, on se retrouvera. Bah, quand il y aura d'autres portails ou un nouveau rate-up, etc. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut, salut.